Salé Tiémoko n'est pas intéressé par un troisième mandat à la tête de la mairie de Tiassalé. Le vainqueur des élections partielles du 2 décembre dernier annonce qu'il veut se frotter à d'autres challenges tout en n'excluant pas la présidentielle. Chaque chose à son temps. J'ai été élu maire, j'ai un mandat de 5 ans, j'ai fini en 2028. Je vais vraiment me consacrer à cela pour démontrer encore une fois à toute la Côte d'Ivoire qu'on peut être indépendant et puis de l'opérer une ville avec les ressources qu'on nous accorde. Et puis bon, plus tard, on verra. J'ai encore du temps pour moi. Je n'ai pas encore 50 ans. Et donc j'ai encore du temps pour moi. Et il faut laisser les doyens décider de ce qu'ils veulent faire pour 2025. Après ça, on envisagera. Parce que dans tous les cas, je n'ai pas passé mon temps à être maire de Salé. Je n'ai pas fait plus de 2 mandats dans cette ville-là. Je l'ai déjà dit depuis 2018 et j'ai tenu ma parole. Ce mandat que je vais faire est le dernier mandat. Après ses remerciements aux populations de Tiassalé pour sa victoire, Assalé Tiémoko s'engage à barrer la route à la politique qui n'accorde pas d'intérêt à la population. Le député maire de Tiassalé a remporté les élections municipales du 2 décembre 2023 face à Alpha Sanogo, candidat du RHDP, et Alexis Amicha du PDCI.